écrites, télévisées, internetisées, qui répondent matin avec l'invitation que nous lançons justement pour nous parler avec la population haïtienne sur un sujet unique qui est le code pénal que le président Jovenel a publié le 24 juin qui se passe là dans le journal officiel PIA qui est le Moniteur. Nous tous connaissons qui va le travail qui a fait et moi-même personnellement, m'a dirigé et présidé la commission justice là, qui fait près de 2 ans. N'a travaillé sur le code pénal et le code de procédure pénale. Là. Nous songeons dans le travail que nous avons gagné, le président Santé Voyé, on travaille comme ça pour nous. Et au niveau du Sénat de la République, nous faisons 2 ans pour nous travailler avec tout secteur en vie nationale là, qui permettent de nous déposer le 18 novembre 2018 au Sénat de la République un travail fini que nous soumettons à la sagacité et à la lecture de l'Assemblée des sénateurs. Nous permettons la presse pour remercier tout le monde qui a contribué à notre travail. Je voulais parler de faculté, particulièrement faculté de droit de Port-au-Prince et faculté de droit des Gonaïves, pour les étudiants qui ont participé. Je voulais parler de criminologues haïtiens qui ont participé, ethnologues qui ont aidé nous sur des thématiques bien particulières telles la zombification. Je voulais saluer JSSP, qui est un ONG qui était accompagné à travers les 5 juridictions des cours d'appel de la République et accompagné au Chili. Nous sommes allés au Bénin pour nous faire un peu de droit comparé encore sous code pénal et code de procédure pénale. Je voulais saluer de manière particulière les magistrats assis et debout, qui juges de paix, juges première instance, cours d'appel, cours de cassation et commissaires du gouvernement, yo, qui ont même participé dans le cadre d'élaboration du travail ça, que nous avons déposé. Je ne vais pas oublier les techniciens au niveau Sénat, qui étaient vraiment infatigables et qui étaient remis le fait que nous avons mis en pile et accent sur le travail que nous avons fait le pays. Je voulais saluer chaque membre de la commission qui a suivi la conférence de presse. Mais à matin, on est venu pour nous dire, nous tous haïtiennes et haïtiens, nous sommes conscients que nous avons besoin d'un nouveau code pénal. Nous avons besoin d'une réforme, une réforme sérieuse en matière pénale. Moi, je travaille là-dedans depuis 2007, jusqu'à aujourd'hui, je travaille là-dedans, parce que nous estimons que le pays a besoin d'une réforme pénale. Cependant, moi, j'ai un regret pour me dire à tout le monde qui travaille dans le code du haut, dans 5 juridictions, particulièrement les magistrats et les avocats, que ça nous fait entendre nous sur Yoa. Malheureusement, ce n'est pas tout qui est publié à travers le code que le président Jovenel prend par décret. Il prend un code, nous-mêmes, nous avons un code pour le pays. Un code pour mettre l'ordre dans le pays, qui permet de respecter les gens, de respecter la famille, de respecter bien les gens. Malheureusement, le président Jovenel choisit un code qui est beaucoup plus libéral que le code nous-mêmes nous avons travaillé. Libéral, je suis seulement venu sur quelques points. Parce que le Parlement n'a pas fonctionné, le Parlement caduc, je n'ai pas de pouvoir encore pour bloquer des désordres qui t'a fait. Je suis seulement capable d'informer la société de ça qui fait et de mesures qui prend. Le code ça a 24 mois pour l'appliquer en Haïti. 24 mois a commencé déjà parce que le publié le 24 juin. Le code ça, il y a des thématiques que nous travaillons sous lui, sous yo, à travers les 5 juridictions, tant pour avortement, le peuple a dit que ça a été voulu. Il te dit qu'il a pénalisé le partiellement. Lorsque maman il y a un problème à Timon Apotea, lorsque c'est inceste, lorsque c'est viol, lorsque c'est des cas qui sont indépendants de volonté, Timon n'est non viable, parents te dit, alors notre population te dit qu'il a été pénalisé dans 4 cas. Malgré nous avons eu des gens qui vivent avec handicap, qui te dit attention, même lorsque vous êtes handicapé, vous avez droit à la vie tout. Il faut que nous protéger. Mais dans le code président Jovenel, là, l'illégaliser avortement total capital. Nous avons informé la population que la majorité sexuelle, dans le pays, comme la France, qui étudie le droit et nous fait droit comparer pour eux, la France, la Belgique, nous fait et doit comparer avec les États-Unis, avec le Canada, nous voyons que le pays a un système de protection sociale qui est vraiment avancé, qui permet aux petits de 14, 15 ans capables de faire un petit qui va l'occuper. Et parents capables de remettre l'État. Nous te dit
code ça qui sont à l'étranger qui dit que les gens ont rentré dans la vie sexuelle à 15 ans, pas pour Haïti. Parce que sociologiquement, nous comprenons. Mais le président Jovenel dit 15 ans au plus. Alors, il dit que la minorité sexuelle là 15 ans au plus, donc les gens sont capables de la relation. Et puis, il y a des autres qui font côté, ils ont essayé de brouiller nous sous volonté de gens. Et ça, personnellement, lui fait mal. Il fait mal lorsque nous connaissons une bataille menée pour nous consolider les familles, permettre de l'école. Mais il fait un pile des autres côté dans l'article 384 là. Il dit que les gens voulaient reconnaître tacitement la prostitution infantile. Côté dit, si un petit monde livré à la prostitution et que un monde a fait bagarre avec petit monde ça, il y a pas les monde 3 ans en prison mais reconnaître livré à la prostitution. Ça faut que société a li analyser le bien parce que moi-même lorsque mon commissaire du gouvernement m'applique la loi contre monde qui fait bagarre avec petit monde qui est moins que 18 ans même les petit monde dit oui parce que l'enfant n'a pas de consentement. Mais avec ce texte pénal qui est signé par le président Jovenel, c'est 15 ans au plus que vous dites, par un à connaître comment pour protéger tête contre le code pénal. Il y a la bestialité, fait bagaille avec bête, que nous avons dit à travers 5 juridictions, nous avons sanctionné. Le président Jovenel dit, lui-même, il n'a pas sanctionné. Il a seulement dit, si aucun bon monde fait bagaille avec chien, eh bien, il a sanctionné le monde qui faussait le fait bagaille. Mais si on ne fait pas gagner avec Chéni, ça va regarder l'État, va regarder l'ordre public. Ça, c'est le président Jovenel avec son code. Nous avons une question d'inceste. Nous tout connaissons l'inceste dérivé dans le code civil là, jusqu'à cousin, à cousine. Dans le code pénal, ça, il dit, il y a interdit seulement papa fait bagarre avec Timoun, petit frère avec soeur, mais il n'y a pas arrivé dans le grade cousin. Un peu libre. Il dit cousin à cousine, yo, très libre. Non, non, code pénal là toujours. La grande nouveauté que le code pénal a apporté, c'est le renforcement de l'homosexualité. À travers les articles, et c'est l'IQB de plus, article 248, 264, 275, 278, 298, 209, 209 là même plus grave. 209 là, il est censé renforcer. Toute sanction qui est dans le code pénal là, si on en a fait avec Yoma Sissi, Yoma Divine, yon moun qui change Bouboun, mette Tipeni, yon les transgenres, yon ou toute sanction yon a aggravé. Si nous permettons m'appeler article 207 là pour nous, pour la population qui comprenne bien qui comportement qu'elle doit gagner par rapport avec l'autre monde dans la société. Lidi, dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise en raison de l'orientation sexuelle de la victime. Orientation sexuelle, dans tout texte, sexe qu'a répété 2 ou 3 fois. Mais tout l'autre côté, c'est orientation sexuelle que le président Jovenel mettait. Nous à comprendre, ça veut dire nous-mêmes qu'à suivre. Maintenant, gagner grâce. Et ces effets. La grâce, c'est lorsque le président lui décide on était condamné, mais condamnation, ça, lui a effacé le pouli. Nous sommes le président Jovenel et gracié plus de 400 personnes. Et hier, moi, OPC dit que 400 personnes, ça y est, il y a des bandits, il y a des kidnappeurs, il y a des gens qui tuent un paquet de monde. Le président Jovenel mettait dans le code pénal, l'aile gracié au monde, il n'a qu'à retourner à la vie publique, à la vie politique. Ça veut dire, un kidnappeur aujourd'hui qui est relâché demain, il est capable d'aller, la grâce fait retourner ce kidnappeur dans ses droits civils et politiques. N'a imaginé, n'a comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Oh, discrimination. Moi, je voulais voir avec nous l'article 262 qui parlait de discrimination. Il dit tout type de discrimination qui fait à l'égard du monde, soit pour l'âge, soit pour profession, soit pour couleur peau. Et orientation sexuelle ou gagner pour aller pour prendre en prison de 1 jusqu'à 3 ans. Et là, on pensait, les pasteurs, les juges sont concernés, dans la mesure où, dans le décret avant, il était dit le changement morphologique est accepté par l'État haïtien. Aujourd'hui, la sanction à l'article 262, il dit
sanction li aller jusqu'à 3 ans prison. Imaginez un pasteur comme pasteur Muscadin qui gagne deux moun la kayli. Youn décide de changer sexe et yo dit pasteur faut marier. Pasteur a dit non, li pa marier yo. Ça relè discrimination pour aux questions orientation sexuelle. 3 ans prison. On nous avance. Moi je veux voir avec nous avocat yo. Le secret de du président Jovenel. Nous tous connaissons qui j'aime pas de côté dans le cœur. Nous tous connaissons qui j'aime pas de côté dans l'esprit. Et si nous regardons ça, nous avons ces codes nets qui la donnent. Code. Nous prenons tout code en Afrique, dans l'Amérique latine, en Amérique, pour faire un collationnement pour nous faire un bon travail pour le pays. Mais malheureusement, nous avons un code qui a des difficultés pour l'appliquer. Qui difficulté? Premier monde qui a appliqué le code, il y a les magistrats, les juges. Dans le code ça, on va juger 3 ans en prison. Article 745, il dit si juge là, il y a deux monde qui paraît devant pour même si pas il t'a parlé là tout à l'heure. Un exemple et que juge a dit pour foi ou bien parce que m pas d'accord traitons pareil affaire, on pas juger, il dit mon juge là fait déni de justice, il a bali 3 ans d'emprisonnement. Sous ça, on connaît association magistrat déjà en concertation. Pour avoir une réponse pour dire que le code ça pas appliqué, ce dont je ne pas souhaité, dans la mesure où le code là nous besoin, un code dans le pays qui est utile nous, par rapport à Saint-Dégué depuis 1830. Et ça, 1835. Donc les magistrats, les juges de paix, les juges capables en siège, et vous regardez la police judiciaire débarquer sur vous, ils viennent arrêter vous. Seulement le code ça pas dit qui est le juge qui a jugé le juge là. Problème. Flou. Nous devons connaître avocat et tout. C'est eux qui apparaissent devant le juge là pour compléter le tribunal. Là. Mais avocat, dans le code pénal, le président Jovenel, là, il dit le juge là qui a retiré licence avocat. Suspendre licence avocat et pour le faire pas qu'à militer encore comme avocat au cas où il y a un acte que avocat écrit. T'as gagné une faute qui t'a voulu sembler avec une infraction, délit ou bien crime. Et le même continue pour dire, yo ka pran avocat voyer devant le tribunal pour y juger. Donc l'immunité professionnelle que avocat yo les barreaux t'a gagné pour défendre tête yo à travers texte président Jovenel là, li pas censé là encore, li dit avocat yo ka renvoyer yo devant tribunal pour y pour sanctionner. Maintenant, m'a fini pour me dire moi, insurgé contre l'exécutif et le palais national qui a mis barbouquette dans la bouche de la population. Parce que la population a le droit à l'information. Lorsque vous prenez un décret qui a un changement morphologique, il a été publié à travers les réseaux sociaux. Et rapidement, des groupes organisés ou des ambassades réclamaient yo, yo prend victoire yo, yo savoure victoire yo. Code pénal là c'est pour tout haïtien lié. Quitte ou dans opposition, quitte ou au pouvoir. Quitte ou dans diaspora, quitte ou en Haïti. Quitte ou Port-au-Prince ou bien ou dans section communale. Code pénal là pour professionnel yo et non professionnel. L'état doit des grandes publicités que fait autour de lui. Mais m'a dénoncé le fait que les presses nationales pas rendre public code pénal là pour peuple là pas contre ça là-dedans. Yo pas rendre public, yo vendre 5500 goud. Donc ça veut dire moun pas contre ça là-dedans. Et là m'a attiré attention nous pour nous connaître que ça li concerne nous comme journaliste, li concerne nous comme avocat, comme moun qui fait politique, comme père de famille, li concerne nous toutes. En conséquence, moi penser l'important pour nous continuer de travailler avec la société sous code ça yo, parce que nous croyons décret ça yo pas applicable vraiment en Haïti pour plusieurs raisons. Maintenant, c'est le moment, c'est le temps du président Jovenel pour que la prend par-ci et par-là en veux-tu en voilà des décrets. Nous a dit li gen bouquet nan kouri, mais la population haïtienne même gens avec le Tchad
même avec le Bénin, même avec le Cameroun, même avec le Canada, avec la France, il y a une culture pa yo, et par conséquent, nous pas carité dans bas bouquet là. Merci beaucoup de ce que nous devinons. Je suis disponible pour nous pour la question, toute question possible et imaginable dans le cadre de la thématique d'aujourd'hui. Question là, il y a deux volets là-dedans. Il y a un premier aspect qui a rapport avec le coronavirus. Yon, c'est concernant la conférence de Bouquet. Qui position par rapport avec le phénomène de zombification? Deuxièmement, le président Jovenel Moïse prend décision côté lui annoncer la lui réouvrir le pays à partir du 2021. La paix, tu casses, pas tu casses. La voix de l'Amérique, tu as la même des positions. Ma réponse à la voix de l'Amérique, pour me dire, sous question zombification, l'île dans le code pénal, président Jovenel. Là. Zombification dans le code pénal, président Jovenel. Là. Peut-être que c'est un petit cadeau que nous avons dans le cadre de travail que nous avons fait. C'est à l'article 281. Il a donné lui-même parlé, lui-même agencé. Question coup de poudre là. Mais vous parlez le conseil dans le langage pas non, ni zombification ni coup de poudre. Vous dit là dans l'état léthargique qui conduit à la mort et puis il y a jeune monde qui travaille avec un monde, occasionnellement ou en permanence, les sanctionner là de 20 à 30 en prison. Mais vous parlez de le fait d'administrer des substances nuisibles à la santé aussi. Ça y aller pour question mystique, coup de poudre, licencié régler dans ça. Maintenant, cette question est répondue. Maintenant, pour l'ouverture du pays, moi pensais qu'un pile haïtien qui a besoin d'entrer dans le pays. Un pile haïtien qui a des problèmes, qui a besoin de venir. Cependant, moi-même, j'ai une observation encore parce que moi j'ai une velléité de la part des autorités haïtiennes actuelles pour gagner des nombres, un nombre de monde qui ont enterré. Ils ont obtenu 5000 monde par jour, ils ont obtenu 1500 monde par jour. Heureusement, nous n'avons pas gagné 1500 monde par jour qui ont obtenu. Nous entendons à Miami, Kounia, Bagala, Paten, Pikli. Et avion qui a sorti, qui a sorti Haïti, à Miami plus, à Floride plus. Moi, je mets dans l'observation, est-ce que ce n'est pas cas, monsieur, dame, autorité ou pas de joindre, il y a ouvert frontière pour venir des cas et pour y gérer l'argent sous cadavre population. Maintenant, c'est mon observation que je ne vais pas partager avec moi, mais je suis prudent. Merci. Bonjour sénateur. Éloge Pinfort, nous avons rejoint la télévision Métropole. Nous avons dit nous de manière qualificative. Ça a créé un document. Ce sont des documents exécutifs là, truqués. Je sais qu'on soit qualifié. Ce sont tous les cas de document. Si oui, est-ce qu'il y a un recours légal qui s'en a fait pour l'exécutif là? Et puisqu'on insiste sur le fait que son document qui lui est appliqué, alors qu'on montre qu'il y a des problèmes d'application qui s'en a fait pour nous. Oui, oui, est-ce que le truqué, m'a répondu, je vous me dis, je pas dit le truqué. Ce matin, m'a dit c'est une copie. C'est une copie de texte que international a gagné Canada, il a gagné la France, il a gagné en Belgique. Et si un étudiant en droit qui est intéressé, m'a ouvert la bibliothèque pour eux pour montrer qu'il y a des articles qui ont répété textuellement de code étranger à code Haïti. Remanie, ou pas, faut mettre virgule, côté gain, verbe, côté gain, épithète, etc. Nous, phrase, point pour point. Ça veut dire que c'est copie. Maintenant, nous-mêmes, nous faisons travail avec les commissions présidentielles. Et nous avons essayé, ouais, tout côté copié, pour nous haïtianiser le texte-là. Pour nous rendre le texte-là haïtien. Par exemple, moi-même, j'ai demandé pour qu'il y ait un mot de choucage là-dedans. Pour qu'il y ait un mot de zombification là-dedans. Pour qu'il y ait un coup de poudre là-dedans. Parce que coup de poudre, c'est là, et nous-mêmes qui connaissons. Zombification, c'est nous connaître. Déchoukaï, c'est nous connaître. Moi, ça veut pour nous. Oui. Or, le texte pénal est d'application stricte. Ça veut dire, ça, pour ça, on prévoit là, il faut qu'il définisse. Malheureusement, c'est parce qu'il y a fait. Mais même, moi, je ne pas dit truqué, mais je dit qu'on copie. Et un copie de l'Occident qui n'est pas vraiment applicable en Haïti. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait? Puisque les décrets du président Jovenel, que l'on veut ou non, vont être analysés.
lorsque le Parlement a analysé pour le décret ça, il a transformé en loi. Si le peuple a voté, sénateur et député qui n'ont pas reçu. Parce que ça a capable de faire 25 ans, 150 ans, par un moyen. Si sénateur et député n'ont pas moyen, le prochain président qui a fini après le mandat président Jovenel en 2021, capable de rentrer tout vieux texte président Jovenel prend qui n'est pas utile au pays. Et conseil là, c'est si président Jovenel décide utile au pays à vrai, avant le prétexte, yo, quel est le monde qui connaît le domaine? Yo. Ou ap fait un décret sur la presse, ouais avec les journalistes. Ou ap fait un décret sur l'université, ouais avec les gens qui ont travaillé dans l'université, qui ont fait l'université, qui ont enseigné. Au moins, tu as aidé le pays. Mais je dis, ou ap wè, le président Jovenel pote à travers Texas la parole de l'international seulement. C'est dimanche au baisse, on travaille pour Radio Télé Zénith. Alors, et, sénateur, est-ce que selon vous-même, et texte et qui a un rapport avec les droits homosexuels, est-ce que c'est le pays occidental même qui dicte le président Jovenel pour que lui-même soit capable de mettre ça dans le code pénal ici? Écoutez, je ne vais pas indexer l'international dans rien. Dans la mesure où, lorsque je suis sénateur de la République, je suis sénateur de la République d'Haïti. C'est des Haïtiens qui m'ont élu. Si le président choisit pour gagner l'autre mentor, pour gagner le monde qui a coaché, ça ne fait pas. Sauf que moi-même, je dis Radio Zénith, que ça, son copie, et copie à Vini, des autres qui font là-dedans. Par exemple, alcool, vente d'alcool. Le tout qu'on est aux États-Unis d'Amérique, il y a des petits mounes, il dit à 16 ans, il y a des 16. Mais, il n'a pas accepté si mon entrée dans l'alcool. Et moi-même qui commence à blanchir, si mal au côté, demandé alcool, il a dit que je suis 4, moi qui a prouvé que majeur, sinon il a encouru sanction. Mais là, c'est seulement stupéfiant. Il a dit que je ne suis pas bon. Il a dit que si on a consommé l'alcool de manière excessive, il a sanctionné. Donc, consommation d'alcool pour les gens, rien. Mais si on a consommé l'alcool de manière excessive, c'est là le problème. Donc, c'est un code importé qui ne saurait en aucune manière répondre aux attentes du peuple haïtien. Vision de mille. C'est Jacques-Christophe pour faire vision de mille. Il y a un code de la tour, il y a menacé pour gagner 3 ans en prison avec des gens qui ont permis de m'assister, ma divine. Et il y a un code de la tour pour si le juge va le siéger pour gagner 3 ans mandat. Comment est-ce ça? Et multiplication des gangs, et il y a un rapport sorti. Et le président fait gaz présidentiel, ou que c'est la mouille, il dit c'est quand il y a la game, il y a une réaction sur ça. Ma réponse rapidement pour me dire Vision 2000, et nous ne pas accepter crasse monde, nous écrasse monde. Nous ne pas accepter crasse monde, faire violence sur crasse monde. Que monde noté, ma Sicile, ma divine, lycée au monde qui était hétérosexuel, pas une crasse côté qui autorise monde exercer violence sur monde. Haïti, pas qu'on exerce violence sur monde tout. Dans la mesure où Haïtien, tu qu'on vivre avec tout le monde, à homosexuel, dans l'école, dans l'église, dans le bar, restaurant, dans le studio, tu es avec nous. Ce n'est pas là le problème. Maintenant, le problème, c'est que le président Jovenel veut nous imposer un mode de vie à partir de pays que lui-même lui projette pour le bail là. Maintenant, sanctions, oui, depuis on a ennuyé moun, a discriminé moun, faut que t'as des sanctions. Mais pour qui ça va mettre sur le sexe? Parce que mesdames you, qui mènent en pile lutte, yo te même demandé pour nous mettre un crime sous rubrique féminicide dans votre pénal là. Parce que tout le monde parce que c'est femme. Hein? Donc nous te qu'à ouvrir plus, nous dire sexe masculin, sexe féminin, mais puisque c'est le nouvel ordre mondial intégré en Haïti par le président Jovenel, c'est fini. Maintenant, vous parlez de question gangstérisation pays. Nous nous connaissons très bien, nous avons toujours dit, pays a gangstérisé, et moi, j'ai toujours dénoncé. Je dis à l'époque beaucoup plus public que gangstérisation. Et j'ai été le seul sénateur à prendre courage en main pour me dire. Il y a une autorité qui n'a pas de niveau avec la gang. Nous avons un rapport sur ça. Je dis à la République, je ne vais pas dire sur ça encore. Sauf, nous avons que la gang a enregistré dans le ministère des Affaires sociales.
Le président fait grâce, il y a eu l'amour, il y a eu ce bandeau-là, mais ça, ça fait. Mais si le président a cautionné gang, si le président a cautionné gang, hein, je n'ai pas rien pour moi. Qui a étonné de ça que tu as fait aujourd'hui. Vous comprenez? Il y a des gens qui connaissent la fête de la fête. Non, écoutez, le président a cougné à la fête plus de monde. Et là, il y a un président, un sénateur, un député. Parce que là, dans le texte Lyon, il dit que la grâce fait retourner le condamné dans sa vie politique et civile. Donc, nous sommes menacés. Ok. Merci. Merci beaucoup.